La ville de Saint-Laurent proposait pour les jeunes un atelier de création de pièces à base de bronze, grâce à l'artiste Firmin Sanou, spécialiste de cet art. Pour réaliser une pièce en bronze, il faut d'abord façonner la forme grâce à de la cire d'abeille, malléable lorsqu'elle est chauffée et qui durcit en refroidissant. Il faut ensuite épouser la forme de cette base avec un mélange d'argile qui durcira au soleil, puis sera chauffé au four pour fondre la cire d'abeille à l'intérieur et la remplacer par le bronze coulant. Donc ça, c'est la cire. La cire que quand on fait fondre, elle est complètement maniable. Là, elle a durci parce qu'elle est restée froide toute la nuit. Et par contre, si on la met au feu ou qu'on la laisse chauffer au soleil ou des trucs comme ça, elle va fondre et on va pouvoir la bouger dans tous les sens. Là, elle a durci. Firmin, il a acheté une pagaie. Et puis, il a mis le moule. Ensuite, il a mis au four. Après, il a fait brûler la pagaie en bois. Après, il a cassé le moule autour. Et il a mis comme la cire est partie, il a mis le bronze à la place. Enfin, il a mis du fer, il a fait du bronze, après il a mis. Et il a cassé le moule et c'était comme ça. Il a fallu une semaine pour que ces étapes soient réalisées par les enfants en partant de la création de la base en cire d'abeille. Lundi, on a commencé à faire nos pièces en cire. Ensuite, mardi, on a donc fait le moule en toile de gîte et en argile. Mercredi, on a passé la deuxième couche du moule. Jeudi, donc hier, on a pu refaire des pièces en cire. Mais c'était juste pour le plaisir, on peut les ramener chez nous. Et on a commencé à installer le feu et les fours. Et puis là, on va continuer. L'objectif était de laisser libre cours à leur imagination et de leur permettre de s'approcher au maximum de chacune des étapes de la création. Ça a l'air difficile, mais en même temps, c'est amusant pour eux, puisque avec la cire d'abeille, c'est comme la pâte à modeler. Et sous mes instructions, j'arrive à leur donner des idées de créativité avec la cire d'abeille. Et là, c'est très amusant. Les étapes suivantes qui sont plus difficiles, c'est-à-dire l'étape avec l'argile. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, c'est encore plus difficile. Ils ne peuvent pas faire. Et donc, du coup, je me mets à service pour leur montrer l'étape suivante. L'atelier, c'est de leur donner l'opportunité de créer. Donc je ne les enferme pas, je les laisse chacun, il va dans son délire, chacun crée quelque chose et je les guide en les montrant comment faire, que ça soit joli. Donc chacun a pu faire des bracelets, des statuettes, des maisons, des avions, voilà, ils ont tous fait des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Tout le monde a pu y participer et constater que le métier n'est pas si simple que ça. Surtout la phase finale où poncer fort et longtemps est nécessaire pour retrouver cette couleur particulière du bronze.